à tous. Vous avez vu ces superbes images de nos adhérentes, des adhérentes que nous avons inscrites récemment avec Boris Lava. Et ce sont des adhérentes que vous allez voir en vidéo très bientôt, puisque le prochain voyage s'approche dangereusement. 1er au 17 avril, j'ai très hâte de retourner à Kiev avec Michel, notre client, qui a donc accepté de se faire prendre en vidéo. Donc ça va être beaucoup d'aventures, beaucoup de choses intéressantes pour la suite. Donc vous avez vu d'ailleurs la beauté de ces femmes, c'est extraordinaire. What are you waiting for? Qu'est-ce que vous attendez? En fait, qu'est-ce que vous attendez pour les venir les rencontrer? Ces femmes qui sont disponibles, célibataires, qui sont intéressantes, que vous voyez en vidéo. Donc vous voyez la réalité, vous voyez vraiment que ce sont des femmes qui existent vraiment. Et étonnamment, dans ces adhérentes que je vous ai montrées, vous avez des femmes de tous les âges, vous avez des femmes aussi jeunes de 20 ans jusqu'à plus de 50 ans, en fait, puisqu'il y a certaines femmes dans ces images que je vous ai montrées qui ont 55 ans. Donc, je dirais toute la catégorie, le spectre des âges est représenté dans notre base de données. Donc ceci étant dit, aujourd'hui, vous allez avoir droit à une vidéo, pas comme les autres, une vidéo pour vous. En fait, tous les jours, je reçois des appels d'un peu partout, au Québec, au Canada, même aux États-Unis maintenant, et aussi des conversations que j'ai, soit par Skype ou même par téléphone, avec des personnes en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, nos vidéos sont regardées autant au Québec qu'en France. C'est étonnant, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que en fait, les vidéos sont en français. C'est sûr que pour le public anglophone, c'est un petit peu plus difficile. J'ai eu beaucoup d'ailleurs de commentaires de la part d'hommes anglophones qui étaient un peu déçus que je ne faisais pas la traduction en anglais. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir les traductions en anglais, il est possible maintenant avec YouTube de faire une traduction automatique instantanée en bas quand vous cliquez sur le petit bouton à droite, et ça marche assez bien. Faudra que je mette ces informations-là dans les informations de YouTube. Donc aujourd'hui, une vidéo pour vous. Alors, sachez que vous êtes nombreux en fait, hein. Vous êtes un grand nombre à m'appeler, puisque j'ai des appels tous les jours, parfois un appel, parfois deux, parfois trois, des hommes qui m'appellent, qui me posent des questions ou qui s'interrogent, qui ont des commentaires, qui aimeraient en savoir plus. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous, parce qu'en fait vous ne le savez pas, vous vivez directement avec les informations qu'on vous donne depuis le site, mais vous n'avez pas en fait le revers du décor, les autres hommes qui sont comme vous, dans la même situation que vous, qui se posent les mêmes questions que vous. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est justement de partager. Et d'ailleurs, ne m'en voulez pas, parce que vous allez certainement vous reconnaître pour ceux qui m'ont appelé. Vous allez certainement avoir ah oui, ça c'est moi qui ai posé la question à toi. Donc vous allez pouvoir aujourd'hui en profiter tous, parce que je pense que c'est des questions que vous posez tous autant que vous êtes. Alors, la première chose que je voulais faire, c'était de rebondir un petit peu sur la vidéo de la semaine dernière, qui a eu énormément de succès. On a eu vraiment plusieurs inscriptions suite à cette vidéo. Et ça m'a fait vraiment plaisir, parce que c'est souvent des choses auxquelles je m'y attends pas. Moi, je fais mes vidéos, je vis mon processus au jour le jour, et puis je parle de ce qui me semble important de parler. Et c'est vrai que la dernière vidéo a eu un impact important, notamment un monsieur qui m'a appelé lundi, il va certainement se reconnaître, qui m'a dit « Écoute, Antoine, c'est incroyable, pourquoi au Québec on ne peut plus rencontrer de Québécoises? Pourquoi les Québécoises nous ignorent comme ça? Écoute, moi Antoine, ça fait… 3 ans que je suis inscrit dans des agences, des sites de rencontres dans la région de Montréal, et j'ai fait, en l'espace de 3 ans, j'ai réussi à faire seulement 5 rencontres. Tu te rends compte? Et sur les 5 rencontres, il n'y avait aucune dame qui me correspondait. Donc pourquoi les Québécoises? Et il était en colère, le monsieur, il disait, mais c'est incroyable, alors maintenant il faut que j'aille
en Ukraine pour rencontrer ma conjointe. C'est quoi ce délire? C'est la seule solution qu'on a, nous, les hommes québécois. Alors je trouve que c'est très intéressant cette discussion parce que j'aimerais rebondir là-dessus en fait. Alors, c'est sûr que c'est un constat d'échec, c'est le constat que j'ai fait moi-même, j'ai passé par là moi aussi, je vous en parlais sur cette dernière vidéo, c'est-à-dire que si vous voulez chercher votre conjointe ici au Québec en passant par des sites ou des agences de rencontres, vous allez vous heurter à la même problématique qui est qu'il n'y a pratiquement pas de femmes, d'adhérentes femmes dans les sites ou dans les agences, en tout cas c'est pas des femmes qui réellement vous intéressent pour vous, pour fonder votre famille ou votre relation solide. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre d'hommes qui décident finalement de partir à l'étranger pour partir chercher une conjointe, une femme qui soit prête à s'engager avec eux. Alors, ce que j'aime pas, c'est de voir ça comme une contrainte, parce qu'en réalité, ça n'en est pas une. Le fait d'aller chercher, de rencontrer une femme en Ukraine ou en Russie ou ailleurs, il y en a certains qui vont en Afrique aussi d'ailleurs. J'ai parlé avec un monsieur hier qui me parlait de sa dernière relation qui était avec une Africaine. C'est pas une contrainte en réalité. Il faut savoir, c'est la découverte d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays, d'une mentalité qui est différente de la nôtre, certes, mais où il y a beaucoup aussi de points communs, puisqu'on en a parlé déjà, c'est aussi dans la culture chrétienne, le climat elle-même, pratiquement en Ukraine, ils ont un hiver, un été, un printemps, un automne, et vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre de ces femmes-là. Moi, dans ma relation avec Borislava, c'est extraordinaire, parce que j'apprends des choses à tous les jours, et j'apprends aussi des nouveaux plats, des nouvelles façons de manger, qui sont souvent d'ailleurs beaucoup plus saines que ce qu'on trouve en Amérique du Nord. C'est un enrichissement en fait. Vous allez avoir non seulement une femme qui est belle, qui est à votre goût, qui est disponible, qui est sérieuse, qui est beaucoup plus engagée aussi parce qu'elle comprend ce que c'est que d'être seule, puis de ne pas être capable de trouver un homme. Donc c'est des femmes qui ont beaucoup plus de motivation dans la relation que ce que vous pouvez trouver au Québec. Et puis, c'est des femmes aussi qui peuvent vous apprendre des choses comme vous, vous allez leur apprendre des choses de votre culture à vous, de votre culture québécoise ou française ou canadienne, peu importe. Mais il va y avoir un échange et c'est dans cet échange-là qu'il y a quelque chose qui peut naître de positif. Donc, c'est ce que je lui ai dit à ce monsieur qui était un petit peu en colère. J'ai dit, c'est pas... une contrainte, c'est en fait un plus. Il faut le voir vraiment sous cet angle-là. L'adaptation, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc, alors, programme chargé aujourd'hui, les dates des prochains voyages. Donc, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Alors, j'ai au moins eu une dizaine de questions dans la dernière semaine. Antoine, c'est quand que tu vas voyager? Donc, c'est une des questions les plus importantes. Alors, le prochain voyage, c'est du 1er au 17 avril, ça vous le savez tous, les billets sont achetés. Le prochain voyage, il est fort probable que je vais y retourner début juin. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais retrouver ma conjointe Borislava, et puis cette fois-ci, on va revenir tous les trois avec sa fille. Donc, je vais probablement y retourner début juin. Je ne sais pas encore exactement quelle date, malheureusement. Mais bon, il y a déjà plusieurs personnes qui avaient envisagé de partir dans ces dates-là. Donc, je vais sortir ces dates-là incessamment sous peu, je dirais dans les 2-3 prochaines semaines, probablement avant de partir, d'ici la fin du mois de mars, je serai capable de vous dire ce sera quoi les prochaines dates. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, j'ai voyagé très fréquemment. J'ai voyagé, en fait tous les mois je faisais un voyage, j'accompagnais septembre, octobre, novembre, décembre. En mois de décembre je suis resté 3 semaines. C'était quand même assez difficile parce que quand vous faites 7 heures de décalage horaire, ça vous rentre dans le corps, c'est pas facile du tout à encaisser pour l'organisme. Donc c'est sûr que là j'ai pris un break de 3 mois parce que mon corps en avait besoin. Donc, je ne pense pas que je vais le faire à tous les mois cette année. Je vais probablement le faire à tous les 2 mois. Si ça,
si c'est correct, je pense que c'est dans cette optique-là que je vais me projeter. Donc ça va être juin, probablement août, octobre et puis décembre. Donc ça va être probablement dans ces eaux-là. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai, ce que j'explique, bon, y a aussi des hommes qui me demandent, est-ce que je peux y aller seul? Vous pouvez y aller seul, c'est à vous de décider. Par contre, ce que je dis, c'est que c'est 100% d'échec à date pour nos clients qui sont allés seuls. Pourquoi l'échec? Difficile à expliquer, mais en tout cas, vous avez une aide vraiment consistante et solide avec Boris Lava et moi-même quand vous êtes sur place. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive à communiquer autant avec vous en français, avec notre partenaire, on a le feedback des filles, et on arrive aussi à communiquer avec les adhérentes que vous rencontrez. Donc en fait, dès qu'il y a un petit problème qui se glisse au début ou pendant la relation, on est tout de suite capable d'éteindre le feu, parce que c'est toujours des problèmes qui sont reliés avec des différences culturelles, des incompréhensions. Bon, ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais vous êtes souvent amené à dire des choses qui sont normales pour vous et qui ne sont pas normales pour elle. Et elle, de la même manière, elle va dire des choses qui sont normales pour elle dans sa culture à elle, et qui vont vous faire sursauter et qui vont vous inquiéter. Donc nous, on est là effectivement pour donner la main à deux cultures. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon travail, en fait, c'est ce que j'aime le plus. C'est cette partie-là, c'est quand deux cultures, deux mentalités se rencontrent, c'est là qu'il y a le plus de magie qui se produit, en fait. Donc voilà, donc les dates à venir, mais vous pouvez logiquement penser que je serai au début juin, fin mai, début juin, et ensuite à peu près tous les deux mois. Alors, j'ai des gens qui me posent aussi le voyage. Le voyage, les questions sur le voyage. Hier, on a reçu les prix de dernière minute de notre partenaire qui est Avia Voyage, donc, que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver son contact sur notre site internet. Ce sont une dizaine de dames des pays slaves qui travaillent ici à Montréal et qui sont spécialistes dans les voyages. Donc c'est notre partenaire, mais on n'a pas d'intérêt financier particulier. On leur redirige nos clients, comme notre partenaire en immigration, Maître Alain Joff, dont on va parler un peu plus loin. Mais hier, on a reçu les prix, $650 pour Kiev, un spécial. Donc je pense que c'est moins cher que d'aller à Vancouver, $650 aller-retour. Donc ça vous donne un ordre de prix. Kiev, c'est pas... Il y a certains hommes qui me disent « Pourquoi j'irai à l'autre bout de la planète ?» Kiev, c'est pas à l'autre bout de la planète, c'est $650. C'est très proche, en fait, de chez vous. Alors, l'autre partenaire, effectivement, Maître Alain Joff, qui est notre avocat spécialiste en immigration, j'étais avec lui hier, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des modifications depuis que notre nouveau Premier ministre, Justin Trudeau, est au pouvoir. Et il y a des modifications dans le sens d'un allègement des règles pour le parrainage, justement. Donc ça va dans notre sens à nous, c'est hyper positif puisque en fait le nouveau ministre de l'immigration veut encourager le parrainage. Donc ça facilite encore plus nos démarches. Et puis il y a quelques éléments qui ont été modifiés dans la loi pour faciliter les rapprochements des familles. Donc pour vous, les problématiques d'immigration sont devenues de moins en moins difficiles. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que je suis obligé de me marier, Antoine? Alors ça, j'ai eu cette question-là deux ou trois fois cette semaine. Non, vous n'avez pas à vous marier obligatoirement. Le mariage, c'est déjà, pour commencer, c'est pas quelque chose dont vous pouvez parler tout de suite, parce qu'il y a une longue période avant de parler du mariage. Vous avez d'abord un voyage à faire pour aller rencontrer plusieurs adhérentes. Ensuite, vous allez avoir des favorites, peut-être une ou deux ou trois, et puis vous allez peut-être faire un autre voyage, ou alors vous allez inviter votre adhérente favorite ici au Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'invitation, c'est quelque chose qui est très facile, ça se fait en une semaine. Vous avez à rédiger une lettre d'invitation avec notre avocat, et elle a ramassé pas mal de documents. En fait, le travail, c'est plutôt à elle de le faire qu'à vous. Et puis après, une fois que les documents sont... Elle doit montrer ses diplômes, elle doit montrer ses preuves d'emploi, elle doit montrer un paquet d'informations, son passeport, etc. Et puis vous avez juste à envoyer votre lettre. Et avec toutes ces informations-là, elle peut aller à l'ambassade et demander son visa de touriste.
d'abord, en fait. Et les Ukrainiens, du fait des bonnes relations avec le Canada, ont beaucoup de facilité à obtenir leur visa touristique. Et même, bon, dans le cas de ma conjointe, elle a eu un visa pour 10 ans sur la durée de son passeport. Donc en fait, ma conjointe, elle peut venir au Canada quand elle veut. Et dans d'autres cas, c'est effectivement ce qui s'est passé aussi. Donc la facilité de vous voir et puis de elle de venir ici au Canada était quand même assez facile. Alors après, si vous voulez qu'elle, elle travaille ici au Canada, là, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous voulez qu'elle ait ses papiers et qu'elle devienne résidence permanente, vous devrez vous marier. Donc ça, c'est la réponse. Alors, la question aussi qui revient sans cesse, c'est la question du prix de nos services, du prix en général. Ça, c'est une question qui est, je dirais, la question la plus fréquente qui revient. Alors, en fait, on a simplifié les choses. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul forfait. Donc, notre page de processus et prix a été mise à jour dernièrement. Et on ne fait plus l'option des lettres à 10$. Pourquoi ? Parce qu'on a eu dernièrement plusieurs cas d'hommes qui ont commencé ce système-là, qui se sont inscrits, ils ont payé les frais d'inscription. Ensuite, ils ont commencé à envoyer les lettres à 10$. Donc, ils payaient pour une lettre ou deux lettres ou trois lettres à la fois. Déjà, nous, à chaque fois, il faut qu'on fasse une facture. En plus, après, les gens se plaignent. Oui, j'ai payé pour ci, j'ai payé pour ça. Et puis, ils ne sont pas contents de la réponse qu'ils ont eue, etc. Donc, en fait, et puis après, ils s'en vont. Donc, les femmes qui sont hyper investies dans ce processus-là et puis qui commencent à avoir des espoirs, etc., sont déçues. Notre partenaire m'appelle et me dit « Antoine, c'est quoi les adhérents ? Ils ne sont pas capables de se décider. » Donc, beaucoup trop de problèmes avec ce système-là. On a abandonné ça. Donc maintenant, vous ne pouvez plus rentrer dans le processus si vous ne signez pas le contrat complet avec nous. Donc le contrat complet qui est d'une valeur de 2000$ canadiens. C'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup de Français qui s'intéressent à nos services parce qu'en euros, ça fait pratiquement la moitié, ce qui est beaucoup moins cher que la majorité des agences en Europe. Et donc, vous pouvez payer de façon mensuelle. Donc, vous payez en mensualité 200$ par mois. On vous envoie une facture par courriel, vous payez avec votre carte de crédit, ou vous pouvez nous envoyer des chèques, ou vous pouvez nous payer par cash aussi, si vous voulez. Et jusqu'à ce que vous soyez prêt à partir, et à ce moment-là, quand vous êtes prêt à partir, vous devez payer la totalité du forfait. Donc, c'est un forfait qui comprend tout, en fait, hein, qui comprend la traduction des lettres, le choix illimité de candidate, le coaching, l'aide par rapport à toutes ces questions d'immigration qui sont quand même assez complexes. Vous avez vraiment une aide de notre part qui est très très sérieuse et poussée dans l'accompagnement. Donc on ne vous laisse jamais tout seul. Et puis même après votre voyage, vous pouvez continuer, on est toujours là avec vous pour vous aider. Donc c'est vraiment un service qui va durer sur une année. Donc, si vous rapportez ce coût-là sur la quantité de temps et de travail qu'on fait pour vous, je dirais que c'est pas cher payé. Donc, voilà, pour cette question-là, les lettres à 10$, c'est terminé. Avant de passer aux vidéos, puisqu'en fait on va surtout parler des vidéos aujourd'hui, je voulais juste vous dire qu'en France, on commence à parler de nous. Et ça m'a fait très plaisir. En fait, notre site internet se développe chaque jour. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est moi qui travaille dessus. On fait des nouveaux articles, on fait le site vraiment pour vous, pour le rendre plus simple. Aussi, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient des téléphones cellulaires pour accéder au site, pratiquement plus de la moitié. Vous êtes sur des téléphones mobiles. Et ça, c'est un point important parce que notre site, il n'était pas super de ce point de vue-là. Et on est en train, avec notre programmeur, Rainer, de revoir un petit peu l'architecture du site pour le rendre beaucoup plus convivial pour vous qui avez des téléphones mobiles. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a des changements. On a réduit la taille des bannières et des choses comme ça pour que vous ayez accès à l'information beaucoup plus facilement avec vos téléphones cellulaires.
Donc ça, c'est un point. Oui, et en France, on parle de nous. Effectivement, il y a un forum, vous pouvez regarder sur Internet, forum russe pour les agences matrimoniales russes. Et oui, vous avez vu le petit nouveau qui est né au Canada, ça a l'air bien. Donc c'est des commentaires positifs, ça m'a fait plaisir. On parle de moi, vous pourrez regarder forum russe, Russie, femmes russes sur Internet, sur Google, puis vous allez voir les informations qui ont été dites sur nous. Donc voilà, première partie terminée. Deuxième partie, c'est les questions du sondage avec les vidéos. Donc merci beaucoup d'avoir répondu. Il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui ont répondu au sondage sur les vidéos. Vous pouvez encore le faire d'ailleurs si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Et 86% des votants, des répondants, ont dit qu'ils aimaient ça, qu'ils étaient trouvaient que c'était intéressant. Alors, je dois dire que les vidéos, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre différence avec nos concurrents. On a, pour vous dire, pratiquement dernièrement, on a doublé, on est à 24 heures de visionnement en continu, en fait, hein, chaque jour sur toutes nos vidéos. Et on est rendu 120 à peu près abonnés sur notre chaîne YouTube. Et ça ne va qu'en augmentant, en fait, hein. On a une appréciation très très positive de nos vidéos. Et je dirais que c'est la première raison pour laquelle on se fait connaître autant au Canada qu'en France ou en Europe. Et ça, c'est quand même très très positif. Alors, j'ai préparé la liste des points qui sont apparus au cours de des commentaires qui m'ont été donnés, en fait, dans ces vidéos. Donc ça va vous allez peut-être vous reconnaître, ou vous allez peut-être être d'accord ou pas. Donc alors, d'abord, pour ce qui concerne la quantité de temps pendant laquelle je parle versus la quantité de temps pendant laquelle les adhérentes parlent. Alors ça, c'est une question que moi, personnellement, je me posais beaucoup. Donc j'ai eu, en fait, à peu près moitié-moitié de gens qui me disent que ce que je dis, c'est important parce que je clarifie des choses, des questions, notamment comme aujourd'hui, en fait. C'est surtout, en fait, quand je parle, ce qui est important, c'est quand je parle de vous, en fait, quand je parle de vos questions, de vos interrogations. Donc ces points-là, selon ce qui m'a été rapporté, c'est des informations dont vous avez besoin. Par contre, ce que vous préférez, et de loin, c'est de voir les adhérentes et de les entendre parler. Alors ça a été vraiment, pour moi, ça a été une surprise, je ne m'y attendais pas. Mais en fait, vous accordez beaucoup plus d'importance à ce qu'elles disent, à ce que vous entendez, que à ce que vous voyez. En fait, les commentaires sur la beauté physique ou sur les critères, moi, je pensais que c'était ça qui comptait le plus, mais en réalité, non. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, Antoine, des fois, quand les adhérentes parlent, on n'entend pas très bien, et le volume de la musique est trop élevé. Est-ce que tu pourrais baisser la musique? Je voudrais vraiment entendre ce qu'elle me dit. Alors, ça, c'est... pour moi, ça a été vraiment... une surprise, une découverte. Merci de me l'avoir dit. Et j'en ai pris bonne note. Donc en fait, je me suis équipé, j'ai un meilleur micro. La qualité du son va être top notch pour les prochaines entrevues. Je vais même y aller avec deux micros, en fait, pour pouvoir vraiment avoir une sonorité parfaite de ce qu'elles disent. Puis je vais effectivement baisser la musique quand les adhérentes parlent, pour que vous entendiez tout. Et vous écoutez tout le détail de ce qu'elles disent, et des fois vous en entendez plus que moi. et pourtant, moi, je fais la traduction, donc des fois vous m'apprenez des choses qui me sont passées par-dessus la tête. Donc vous écoutez ces informations qu'elles vous disent avec vraiment une attention qui, moi, m'a surpris. Et ça, c'est très intéressant. Donc, vous en allez en avoir plein d'autres, puisqu'en fait, Borislava a fait déjà les planifications d'entrevues. On a au total, je pense, plus d'une vingtaine déjà d'adhérentes qui sont planifiées. Donc, ça va être des fois des séances de deux, trois entrevues à la suite
qu'on va faire par jour. Donc on va continuer vraiment résolument dans cette direction parce que c'est vraiment ça qui fait notre plus-value et notre différence. Alors, j'ai eu des questions, donc des points. Donc là, on rentre dans les commentaires des vidéos. Traduction en français. Traduction en français, c'est toujours traduit en français. Donc si vous ne voyez pas la traduction, c'est que vous n'avez pas appuyé sur le. Dans YouTube, vous avez les traductions en français. C'est moi qui fais les traductions. Et c'est beaucoup de travail. C'est plus de travail quasiment que de monter la vidéo. Donc. Si vous voulez écouter ce qu'elle vous dit en français, parce qu'il y en a qui parlent en russe malheureusement, elles ne sont pas toutes bilingues, et bon, on ne veut pas perdre non plus des fois des bonnes entrevues. Donc les traductions, vous cliquez en bas à droite, vous avez, c'est CC, c'est écrit CC dans YouTube, et puis vous pouvez choisir sous-titres en français, français-Canada. Donc c'est une traduction, tout ce qu'elle dit, vous allez comprendre, que ce soit en russe ou en anglais, vous allez avoir la traduction. Alors, le commentaire aussi que j'ai eu, vous savez mettre les candidates à l'aise, merci. ça, c'est vrai que c'est ce que j'aime faire en fait. Hein. Je vous l'avais peut-être probablement remarqué, moi je m'éclate hein, dans ce que je fais. Pour moi, rencontrer ces femmes, les découvrir, les voir aussi, c'est des femmes qui sont toujours très belles. c'est toujours un bon moment pour moi et puis c'est toujours moi qui pose les questions parce que c'est ce que j'aime faire donc, dans mon travail. Et puis j'aime vraiment aller au fond des choses, j'aime des fois poser des questions provocantes aussi. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez dit apprécier. Oui, je pense qu'effectivement, j'arrive à les mettre à l'aise. Et c'est aussi pour ça que pour vous, c'est gagnant que je sois présent. Parce que au départ, je parle russe, donc je vais vous mettre en relation avec l'adhérente. Et puis, bon, des fois, je vais rester parce que bon, il y a certains hommes qui préfèrent que je reste un peu plus longtemps pour faire la traduction. Mais le fait que je sois présent, que je mette la fille à l'aise, puis que je vous mette à l'aise, ça fait démarrer la chimie beaucoup plus facilement. Entre vous pour vos rencontres. Alors, une question qui revient, alors qui m'a été donnée dans les sondages, que vous voudriez que je pose, c'est vous voudriez vous poser la question du travail. Alors, plusieurs fois, on m'a dit, Antoine, pourrais-tu leur demander comment elles pensent qu'elles vont pouvoir trouver du travail ici au Canada si elles ne parlent pas français et que le Canada, enfin le Québec, et la France, puisqu'on a aussi des gens en France, puisque comment vous allez faire pour vous intégrer dans le milieu du travail si vous ne parlez pas français? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais plus insister. Seriez-vous prête à faire des sacrifices? Alors, bon, vous voulez à tout prix éviter les princesses, les filles qui se prennent plus haut que... un peu comme ce qu'on a vu la semaine dernière avec notre ex-partenaire à Odessa. Vous ne voulez, aucun d'entre vous, vous êtes intéressé par les princesses, puis vous avez tous le même terme pour les désigner. Apparemment, c'est des femmes qu'on trouve autant en France qu'au Québec. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Donc, est-ce que vous êtes prête à travailler? Est-ce que vous êtes prête à faire des efforts? Donc ça, c'est effectivement une bonne question que je me suis notée et puis que je vais rajouter dans ma grille de questions. Les hommes ukrainiens, alors ça, j'en avais déjà parlé, ça vous interroge beaucoup. Je veux dire, vous êtes tous là à vous poser les questions. Comment c'est possible que vous soyez célibataire? Vous êtes intéressante, vous êtes intelligente, vous êtes belle, vous êtes disponible et vous ne trouvez pas d'homme. Pourquoi? C'est quoi le problème avec les hommes ukrainiens? Alors ça, c'est vrai que c'est un peu difficile de comprendre tant qu'on n'y est pas allé. Quand vous allez y aller, vous allez voir que, bon, déjà, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la rue. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Puis vous allez voir que les hommes, il y en a quand même beaucoup qui sont soit en tenue militaire. Vous allez voir qu'ils sont très négligents par rapport aux femmes, qu'ils les traitent vraiment souvent avec beaucoup de grossièreté. Vous allez voir aussi, malheureusement, l'alcool qui fait des ravages. Il faut savoir que les bouteilles d'eau
coûte plus cher que les bouteilles de vodka. Et oui, il n'y a pas de SAQ là-bas. Donc c'est un peu triste parfois. Je dois vous avouer que parfois dans le métro, je suis un peu. Parce qu'en fait, Borislava n'habite pas au centre, il habite à l'extérieur de la ville. Donc moi, je viens au centre en métro, puis je repars le soir en métro. Puis il y a des fois, je ne me sens pas hyper en sécurité. Bon, au centre, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on sort du centre, quand on voit certains hommes dans l'état dans lequel ils sont. Donc c'est vrai que je vais essayer de penser à quelque chose pour essayer de vous faire vivre cette réalité. La question des salaires, donc la question de l'argent, c'est pour vous c'est important. Ces femmes, est-ce qu'elles ont de l'argent? Est-ce qu'elles ont un peu d'argent de côté? Est-ce que c'est moi qui vais devoir tout payer? Bon, on a déjà abordé la question. On a vu que les salaires aussi entre, j'irais 100-200 dollars par mois US jusqu'à au maximum 1500. Vous avez vu la vidéo avec Marina qui avait un salaire extraordinaire de 1500 dollars US qui fait partie des salaires les plus élevés. Donc on a tout, hein. On a des adhérentes qui gagnent bien leur vie, on en a d'autres qui gagnent un peu moins bien leur vie. Il y en a certaines qui ont un peu d'argent de côté, il y en a certaines qui ont leur propre appartement. Donc je dirais après c'est en fonction de, mais alors surtout ne faites pas vos choix en fonction de ça, ça serait quand même dommage, parce que de toute façon dites-vous bien que le niveau de vie en France puis au Canada est absolument rien à voir avec le niveau de vie en Ukraine, hein. C'est quand même pas c'est des gens qui sont très éduqués, qui sont très instruits, mais bon, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas, donc c'est à tenir en compte. Et puis, on m'a demandé aussi de continuer à poser des questions provocantes, notamment deux personnes qui m'ont demandé, Antoine, pose-leur la question, est-ce que vous voulez quitter votre pays parce qu'il y a la guerre et parce que vous n'êtes pas en sécurité? C'est une question provocante, en fait, hein, parce que vous ne voulez pas vous faire avoir, vous ne voulez pas que la femme quitte son pays uniquement par intérêt. Donc oui, je l'ai fait. J'ai posé cette question avec Anna, vous avez vu dans la vidéo Anna qui avait 29 ans, une très très belle femme, un peu top modèle. Vous avez vu comment elle a réagi, elle a été un petit peu surprise, elle a été un petit peu choquée que je pose cette question-là, mais c'est vrai que je pourrais... En fait, je vais faire confiance à mon instinct et puis en fonction des entrevues, comment ça va se passer, je pourrais poser cette question ou pas. Si j'ai un doute, ben, vous pouvez être sûr que je vais poser la question. Voilà, donc on arrive à la fin, j'ai beaucoup parlé. Un dernier point aussi, je pense que je vais finir là-dessus. Hier soir, j'ai eu un appel d'un monsieur très gentil en Gaspésie et un monsieur qui était très intéressé. On a parlé longtemps, presque une heure au téléphone. Et il m'a dit vraiment Antoine, je trouve que ce que tu fais c'est bien, et vraiment un moment de communion on a eu en fait l'un et l'autre. Et c'est un monsieur qui habite dans un petit village en Gaspésie, c'est un monsieur qui a été marié avec une femme d'Afrique, du Cameroun, et c'est un monsieur qui est né là en Gaspésie, donc dans un petit village, et c'est un monsieur qui a une grande ouverture d'esprit. Et c'est une personne qui a voyagé, qui est allée en Asie, qui est allée en Afrique, qui a beaucoup d'ouverture quand il est question de cultures différentes, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à un moment donné, dans notre discussion, il a dit ben, « Dans mon village, il y a des gens qui sont mariés entre eux, qui se connaissent depuis la toute petite école, l'école maternelle, depuis qu'ils ont appris à marcher, ils se connaissent, ils sont dans le même village, ils sont nés à deux maisons l'un de l'autre, ils ont appris à se connaître, se connaissent depuis la nuit, depuis que leurs souvenirs existent. Et ces gens-là, ils vivent vraiment dans un univers qui ne va pas plus loin que leur propre village. Et ces gens-là, ils n'ont pas la chance de découvrir d'autres choses. Et lui,
qui est né aussi dans ce village-là, qui aurait pu faire le choix de se marier avec une femme de son propre village. Il a décidé de consacrer sa vie au... Alors, il a eu des expériences dans différents pays. Il s'est marié donc avec une femme africaine. Il a divorcé, malheureusement, parce qu'en fait, il m'expliquait qu'avec les femmes africaines, la différence culturelle était trop forte pour que ça fonctionne réellement. Il cherche plutôt une femme qui vienne un petit peu des mêmes contextes, comme par exemple une femme ukrainienne vit, c'est une culture chrétienne, c'est des femmes qui ont, et vous en êtes aperçu, qui ont à peu près la même mentalité que vous. Le climat est le même, ils ont de la neige en hiver, ils ont des églises, ils ont les mêmes types d'emplois, la société est organisée un petit peu de la même manière, donc les différences sont moins fortes qu'avec des nationalités, par exemple, comme en Afrique. Alors, cette personne-là a fait ce choix-là, elle a fait ce choix, elle a décidé de sortir, elle a décidé de s'ouvrir l'esprit. Puis c'est un petit peu une façon aussi de faire le lien avec le début de cette vidéo, où je vous parlais de ce monsieur qui disait « Pourquoi les Québécoises ne veulent plus? Pourquoi ceci? Je suis obligé d'aller... dans un autre pays pour rencontrer ma conjointe. » Eh bien, ce monsieur-là de Gaspésie, lui, pour lui, il voit ça plutôt comme une chance, comme une opportunité. En fait, le mot exact, c'est opportunité. L'opportunité de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, une dernière vidéo, probablement la semaine prochaine, si j'ai le temps. Et puis après, on se retrouvera directement depuis Kiev, en Ukraine. Merci.